Et allez, ça continue. Mm-hmm.
Bonjour, bonjour. Comment ça va? Bonjour. N'hésitez pas à m'encourager. Je suis presque à 600 pas. Y a-t-il quelqu'un ? Bonjour, bonjour.
Merci. Merci beaucoup, Natsuki. Bonjour, bonjour. Ah oui, il faut. Ah ouais. Ben merci beaucoup. C'est pas évident, surtout quand on a de l'arthrose. Merci. Ah oui. Bonjour et merci. Merci beaucoup. Ouais, bah, j'ai cherché encore des légumes ce matin. Bah, des fruits et des légumes. J'ai pas posté la vidéo, mais je vais le faire tout à l'heure. Oui, c'est un peu dur quand on n'est pas habitué et quand on a de la preuve. Oui, dans le respect, merci. Eh oui, mais quand on est motivé, on continue. Bonjour de la frontière suisse. Bonjour. Ah oui, Céline. Ben, courage. Ah merde, comment ça se fait? Merci. Ah, je vois pas trop de nom. 33 kilos en un an en arrêtant de manger le midi et en mangeant ce que je veux le soir. Ben, on y pense. Mais il faut qu'on voie laquelle piscine on va voir et qu'est-ce qu'on va faire exactement. Merci. T'as fait un bypass et tu grossis, c'est ça? Oui, je vais y arriver tout doucement. Je prends mes temps. Mais j'étais plus grosse, hein. J'ai pesé jusqu'à 200 kilos, donc... J'essaye de faire du tapis tous les jours. Si c'est pas du tapis, c'est de la marche en extérieur. C'est une reconnaissance, une perte de poids, oui. Là, je vais bien croire que c'est une reconnaissance. Une renaissance, pardon. Aussi. C'est prévu à partir du mois de juillet, mais malheureusement, c'est pas avant. Alors actuellement, je fais 161 et j'étais montée jusqu'à 200.
me dérange pas. Non, du tout. Pas du tout boulimique. Je fais mes 3 repas par jour. Et quand mon mari est là, je fais un goûter. Donc ça veut dire 4 repas, mais autrement non. Non, je suis pas à l'hôpital. Non. Je suis chez moi, à mon domicile. Merci. Oui, sur Insta, ça fait un moment que j'y suis. Sur Facebook, je suis un peu partout. Et là, actuellement, j'ai ouvert un... Enfin, j'ai un Instagram que j'ai ouvert et que le nom choque, mais bon, c'est comme ça. Merci pour les jeunes, merci pour les fleurs, pas les roses. Pas du tout. Pas pour moi. Je mange pas plus que ça. Hein. Je pense que c'est famille, déjà une. Et de deux, il va y avoir un problème de rein, de digestion ou un truc comme ça. Mais je. C'est en cours de. Pardon, j'ai soufflé un petit peu. C'est en cours de... d'examen. Ça fait 10 ans que je mange à peu près équilibré. Du moins, je fais mon maximum. Je marche. Je fais beaucoup de choses. Et il n'y a rien qui fait. Oh, sympa le commentaire, tu es vraiment énorme que tu crèves. Ouais, bah c'est bien. J'étais largement plus grosse. Hein. Ça me démotivera pas, crois-moi. Bah non, on me dit que la thyroïde, non. Or que ma fille, elle a peut-être un problème de thyroïde, alors je comprends rien. Pas chercher à comprendre. Hein. Merci et non, je lâcherai pas. Certainement pas. Je marche à mon rythme et avec mes douleurs. Si ça te dérange, tu passes. Il reste combien de temps? J'ai pas mis de temps là, je suis rendu à presque 1200 pas. Alors je sais pas, alors là le temps, là je suis déjà à 26 minutes de marche. Oh oui, plus je marcherai, plus j'irai mieux. Il faut supporter le poids aussi, donc voilà. Et quand on a un problème au pied droit, non, au pied gauche, et un problème au genou droit, ben voilà. Merci beaucoup pour les encouragements. Alors sur le pied gauche, j'ai une épine. Sur le genou droit, j'ai de l'arthrose.
complètement filé trois têtes. Non mais là, j'ai pu te boire de l'eau, manger une banane. Voilà. Oui, je connais Awa, mon Dieu. Enfin, je connais. Moi, je l'ai bloqué, mais il y a toujours des rediffusions et ça me tue parce que moi, je la représente pas du tout. Hein. Vous voyez qu'elle mange dans des bassines, non mais. Mais lol! Merci, merci! J'essaye au maximum de marcher tous les jours. Oh, je laisse parler. Le pire, c'est sur Instagram, sur Zaza la Grosse, vous verrez, c'est fou. J'ai une vidéo qui a dépassé presque 390 000 vues. Parce que ça m'énerve de la voir. Ça me dégoûte même, parce que... La manger comme elle fait, mettre ses culottes devant tout le monde, me mettre aux toilettes devant tout le monde, enfin bref, plein de choses comme ça. Moi je la bloque, mais il y en a combien qui le rediffusent, ça me tue ça. Oh oui, heureusement je m'en fous des gens. Merci. Augmente la vitesse, non, je suis petit à petit. J'ai pas envie de me péter un genou pour être bloqué après. T'as acheté où ton tapis? Alors j'ai acheté sur Decathlon et un paiement en 12 mois. Sur le site, il coûtait 1700 balles. Ah oui, Awa détruit sa santé un peu dans le buzz, ça c'est clair. Mais bon, moi c'est pas mon cas. Alors, vous voulez que... Je peux pas. Ah désolé, hein. La prochaine fois je ferai face cam. Parce que j'ai des soucis de santé et si je tombe, personne ne va me récupérer. Et puis pour d'autres choses aussi, mais bon, d'abord ça me regarde, ça regarde pas vous. Le principal, c'est que je marche tous les jours à mon rythme. Alors, mon Insta pour l'obésité, c'est Zaza la Grosse. Je suis à 1417 pas. Et combien de minutes? Je suis à 30, presque 32 minutes de marche. Exactement. Pas de la motivation, j'en ai pour le moment.
courage, moins 15, c'est bien. Oui, il est large. Il y a un bureau. Quand je veux, entre guillemets, travailler sur mon ordi. Et il est fait exprès pour mon poids, parce que c'est pareil, hein, il faut que ça résiste à un certain poids aussi. Donc moi j'ai pris jusqu'à 180 kg. Moi, je suis sûr qu'il va le résister. Non, j'ai pas de modo. J'en ai pas trouvé, et puis c'est pas grave. Les gens sont cons, c'est pas de ma faute, hein. Je vais acheter à Decathlon. Merci. Désolée, je vois pas tous vos messages. Je vais essayer de m'acheter une tablette pour voir en plus grand. Oui, 1700 boules. Ouais. J'essaierai de vous mettre la facture en vidéo. Bah oui, moi aussi c'était trop cher pour moi, mais je n'avais pas eu le crédit, j'avais pas dû. Je peux marcher jusqu'à 15h. Merci pour les encouragements. Je vais stopper un peu là. Merci. J'arrête parce que ça tourne un peu là. Désolé, hein, j'ai une respiration. Je ne sais pas si je vais m'appuyer. Donc voilà, j'ai fait 35 000, presque 36 minutes. 1619 pas. Apparemment 610 mètres et 75 calories de perdu. Donc voilà. C'est la première fois que je fais autant.
Depuis la semaine dernière, ça fait une semaine que je marche. Mais j'avais commencé par 5, 10, enfin je monte à chaque fois. J'ai acheté à BM cette gourde. Ma fille en a pris une et dès qu'on sera revenu du centre d'obésité, on va mettre des trucs dedans et en même temps de marcher, on fera des... Merci beaucoup pour les encouragements. Vous êtes aux toilettes. Mon Dieu. J'aimerais bien faire du stop avec vous. Je suis à 160 kilos. Vous allez en cure? Peut-être. J'attends que ma fille soit de retour et qu'elle voie si elle veut retourner avec moi. 161. Ben 161, c'était hier ou avant-hier. Exactement, des gosses ou des adultes me mettent mal éduqués, c'est pas grave. Non, j'ai pas été plus de... J'ai pas dépassé les 200, mais j'étais pas loin. En 15 jours, 3 kilos. Ah ouais, merde. Il y a 12 ans et je regrette rien. Ben oui. Ben moi je sais pas ce que je vais faire exactement. Quand elle est rentrée au centre d'obésité, elle faisait 119. Exactement, c'est un rééquilibrage que je fais. C'est pas un régime. Faut juste simplement apprendre à manger correctement, ce que certains parents n'ont pas appris. Ben, je commence le parcours mois de juillet. J'ai pas de modo. Combien je vais perdre avec cette opération? Ben, je sais pas. Ça va dépendre de ma motivation et tout ça. Du mois, la vache. Mort de rire. Tu parles, elle fera du sport assis, en train de manger son saladier, ouais. Oui, quand je suis soufflé, je respire fort. Putain. Oh, je rêve de l'opération. Avant j'étais contre, hein, mais maintenant. Non, il le faut, j'y arrive plus toute seule. 80 kilos, oh, putain. Faut que je regarde mon Insta. Alors. Hop. Alors,
Voilà. Dans mon poids 161 kg, j'ai une masse musculaire de 84 kg 800. Et ça, c'est mon compte exprès pour l'obésité. Et j'ai une vidéo qui a fait... Et là, je suis actuellement à 412. Tout ça à cause de ça. J'ai 45 ans. Et apparemment, mon corps en a 52. Je viens de finir de marcher. Mon snap. Ah oui, j'ai pas tardé à faire des snaps bientôt. The World of Zaza. Ah, désolé, faut que je m'assoie. J'ai mal à mon genou. Ah, j'ai plutôt m'allonger, comme ça, ça va faire parler. Ah. Pas mal, ça. Oh oui, je sais que je suis trop heureuse et fière de moi. Surtout fière de moi. Après tout ce parcours que j'aurais fait. C'est que je peux pas le... Je peux pas commenter là. The... Enfin, en gros, c'est le monde de Zaza, mais en anglais. Oh oui, ça fait plus de 10 ans que je me bats contre l'obésité. Elle est pour qui cette question-là? Du coup, tu peux manger McDo? Oui, ça, je sais qu'on mange en petite quantité. Je fais partie d'une association d'obésité et je sais le parcours que je dois avoir fait. Oui, un combat à vie, ça, je confirme. Bye. Je ne sais pas comment vous faites pour prendre le temps du poids. Moi, 2 kilos, en plus, je panique. Ben, il y a des circonstances atténuantes qui font que... À 4 ans post-op, je mange entre 150 et 200 grammes max. J'ai un bypass. De tout dans l'assiette? Non, je perdrai pas courage, merci. Ah ouais? 20 ans? Et votre poids s'est stabilisé? Ah bon, il vous reste encore du poids à perdre et vous n'arrivez pas? Je l'ai déjà dit, je suis...
je pèse. Bref, oh là, j'ai du mal à suivre. Hein. Ah merde. Depuis 2002. Quand on est obèse de corps. Attends mon loulou, j'arrive. Ah non, c'est même pas loulou, c'est ma pépette. Allez, viens, rentre. Rajeunie. Ah ouais. En tout cas, c'est bien parce que la voix se bouge pas, non. Puis elle risque pas de bouger. Hein. Personne n'aide cette pauvre femme. Parce que de toute façon, elle devrait être suivie. Hein. Moi, actuellement, j'ai de la pitié pour elle parce que du jour au lendemain, c'est soit un arrêt cardiaque, soit la dialyse. Et moi, j'ai un oncle qui est mort de dialyse, donc. Ah ouais? Bah, c'est cool. C'est quoi une dialyse? Bah, c'est tous les deux jours, vous allez à l'hôpital pendant 4 heures pour faire machiner votre sang. Minette, le pépette, pardon. Oui, ma mémère. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Rien mangé depuis hier soir. T'as pas faim? Oh oui, c'est triste pour avoir. Et quand je vois son mari qui se laisse faire. Je ne sais pas si on se croisera car je ne suis. Vous l'avez plus fait depuis le bypass ou la sleeve, c'est ça? Coucou. Merci pour les cœurs, les j'aime et tout ça. Oui, merci, ça va. Je viens de finir ma marche. Je sais pas si je vais en refaire aujourd'hui ou demain. Ah ouais. Bah c'est comme toute opération, il y a des risques. Hein. Toujours pas stabilisé, 2017. Ça fait 7 ans. Ah merde. Ça me rassure pas.
Et voilà. Après que je marche, ben voilà, je suis fatiguée. Là, si je m'allonge, je dors. Vous allez me dire, je suis un peu allongée. Oui, c'est super bien. Oui, c'est la première fois en plus que je le fais, mais voilà. Merci. Minette. Non, pépette. Ah merde, j'ai oublié de noter. On a acheté un tapis aussi pour mettre en dessous. Ah, ça rompt, merde. Alors. Je note aussi. Bougez. Bah, je vais vous laisser. Merci, à bientôt. Il faut que je fasse un gratin de chou-fleur pour ce soir. Merci de m'avoir encouragée. Et je vous dis à bientôt. Je pense que demain je vais en refaire un.